la nuit, comment vous savez qu'il a mal au ventre? Lizzie? Oui, Lizzie, comment vous... Hier, elle pleure. Elle pleure? Elle pleure, pas dormir bien. Donc quand elle pleure, tout le monde est réveillé. Oui, encore pour Marie, expliquez s'il vous plaît. Le corps a quelque chose de problème. La maison de santé donc, a été ouverte en juin 2016, ça fait un peu plus d'une année maintenant qu'on a réuni ici deux projets qu'on avait déjà auparavant. Donc il y a un projet qui est destiné aux requérants d'asile en premier accueil et l'autre projet qu'on avait déjà qui était donc Réseau Santé Migration qui existe déjà depuis 10 ans, destiné aux personnes sans statut légal en Suisse et qui propose aussi des consultations infirmières qui se ressemblent, c'est le même genre d'activité. Donc c'était l'occasion aussi d'avoir un lieu qui permette d'avoir nos ressources concentrées au même endroit. Ok, bon, bah alors on se voit bientôt. Merci. Merci à vous, c'est super. Au revoir. Quand les personnes arrivent ici pour un problème de santé, je les prends tout d'abord en charge en les écoutant. Il faut savoir que c'est des gens qui viennent de l'asile, donc qui parlent souvent pas la langue, qui connaissent pas le système de santé suisse. Donc, voir quel est le problème et en fonction du problème ou de la pathologie, agir en fonction, c'est-à-dire soit prendre un rendez-vous chez le médecin quand c'est nécessaire, quand on ne peut pas faire autrement, soit les écouter tout simplement parce qu'on a beaucoup de gens qui souffrent psychologiquement, qui ont besoin de parler, de raconter leur trajet ou leur vie passée, leur famille, des personnes qu'on voit chaque semaine en entretien. Et puis souvent dans les cas de grippe ou de petits bobos, entre guillemets, on leur apporte un traitement de base avec essentiellement des médicaments qui ne sont pas sur ordonnance. On leur donne avec des conseils, beaucoup de conseils. Donc là, c'est appointment on Friday. Oui, c'est vrai que ce n'est pas facile. Alors des fois, on fait des petits dessins. On utilise la traduction sur l'Internet parce que finalement, j'utilise quand même beaucoup ça aussi. Et puis souvent, ils viennent avec des amis ou ils parlent un petit peu français. On arrive à se débrouiller. Maybe transfer, maybe go to the top. To? The mountain. The mountain, ok. Ah, tu t'aideront. Ok. On a un médecin bénévole qui travaille pour nous aussi, qui vient ici de temps à autre faire des consultations, mais c'est plus en supervision, on pourrait le dire comme ça. Travailler avec les infirmières, de voir comment les aider aussi à faire ce travail qui n'est pas tout à fait un travail habituel d'infirmière. Hein. Donc voilà, elle est plutôt là pour supervision, formation. Dès que les infirmières ont un doute, elles peuvent l'appeler aussi. What do you do to ease the pain? What helps you? I just drink water. And you drink water? Yes. It's never on the other side, on the right side? No, on the left. La spécificité de notre maison de santé, c'est qu'on connaît très bien le travail avec les migrants, on a cette habitude de recevoir ici des gens qui viennent d'arriver en Suisse, qui ne connaissent pas encore notre système. Et puis, les infirmières, petit à petit, elles ont une connaissance aussi un peu culturelle, une approche un peu culturelle des différentes façons d'exprimer des difficultés de santé. À bientôt, salutations à Biscana. Et une chose que j'ai appris depuis que je fais ce travail, c'est que le simple fait d'être là, de les entendre et d'accueillir ce périple lié au parcours migratoire et éventuellement une réponse négative de la part de la Suisse est déjà très symbolique pour le requérant d'asile. Parce que c'est très important qu'ils puissent trouver un espace neutre où ils n'ont pas l'impression que tout ce qui se dit est évalué, mais tout simplement accueilli. Et la maison de santé nous aide aussi à pouvoir mettre en place cette dynamique de confiance, de neutralité et de confidentialité. À Martin, oui. Ja. Bis Dienstag, ja. Sie werden sie sehen, ja. Ja, ich schaue nach unten. Okay. Au revoir. Ah, danke. Merci. Hat.